Vous souhaitez avoir une caméra de surveillance chez vous, soit pour surveiller votre maison, votre chat ou vos enfants quand vous êtes en déplacement, ou vous souhaitez peut-être surveiller à distance votre jeune bébé qui dort dans sa chambre. Figurez-vous que c'est possible sans même avoir à investir dans l'achat d'une caméra de surveillance si vous avez un vieux téléphone qui traîne chez vous. Il existe une application simple à utiliser dans le Play Store de Google ou sur iOS qui vous permettra de le faire gratuitement. Il peut être installé sur n'importe quel téléphone intelligent ou tablette. Il peut être visionné sur n'importe quel autre appareil, téléphone ou ordinateur. Votre vieux smartphone servira de caméra et votre autre appareil servira de moniteur de visualisation. Il n'y a aucune limite de distance. Vous pouvez visualiser votre caméra de surveillance même si vous êtes en voyage dans un autre pays. Voyons comment il fonctionne. Dans mon cas, je vais utiliser mon vieux téléphone Galaxy Note 3. Je vais me servir de cet appareil comme caméra de surveillance. Je vais utiliser mon autre téléphone intelligent, plus récent, pour visionner la caméra à distance et me servir aussi de mon PC. Les exigences techniques pour le fonctionnement. Votre appareil Android doit être muni d'une version Android 5 ou plus. Votre iPhone doit être iOS 8 ou plus. Tous vos appareils doivent être connectés au même compte Google, avec la même adresse électronique. Allez dans les paramètres de votre vieux téléphone pour vérifier que c'est bien le cas. Allez dans À propos. Vérifiez que votre appareil possède bien une version Android 5 ou plus. C'est bien le cas pour moi. Comment installer et configurer Alfred Camera? Allez dans le Play Store de Google. Tapez le nom de l'application Alfred Camera Home Surveillance. Téléchargez et installez l'application Alfred Camera Home Surveillance. Attendre la fin d'installation. Connectez-vous avec une adresse électronique. Cette adresse doit être la même sur tous les appareils que vous allez utiliser pour la surveillance caméra. Choisir les différentes options pour lesquelles vous allez utiliser l'application. Cliquez sur Terminer. Choisir l'option Caméra pour définir votre vieux téléphone comme caméra de surveillance dans l'icône en haut de l'écran. Basculez en mode caméra. Comme vous le voyez, la caméra de surveillance fonctionne maintenant sur votre vieux téléphone. Vous pouvez régler les paramètres de votre caméra de surveillance comme vous le souhaitez. Nous allons maintenant régler l'application sur notre nouveau téléphone pour qu'il serve de visionneuse à distance de notre caméra de surveillance. Allez sur le nouveau téléphone. Vérifiez qu'il possède une version Android compatible. C'est bien le cas. Allez dans Google Play. Refaire les mêmes étapes d'installation que précédemment. Mettre la même adresse électronique que précédemment.
Choisir l'option visionneuse en haut de l'écran. Votre nouveau téléphone servira maintenant à visionner la caméra de votre vieux téléphone. Il suffit de cliquer dessus pour visionner même à distance et même si vous êtes en voyage dans un autre pays. Vous pouvez visionner votre caméra à distance même si votre vieux téléphone est en veille. Il suffit qu'il soit branché et chargé. Les autres fonctionnalités de l'application Alfred Camera. Une option de détecteur de mouvement lorsque quelqu'un ou quelque chose passe devant la caméra. Une option pour l'utiliser comme walkie-talkie pour dissuader les voleurs ou parler à un bébé ou des animaux domestiques. Vous pouvez aussi visionner votre caméra de surveillance, non pas sur un téléphone, mais sur votre ordinateur PC. Allez sur Google, tapez Alfred Caméra. Se connecter à la même adresse électronique que précédemment. Choisir l'option Web Viewer pour visionner la caméra de votre téléphone ou Web Camera pour se servir de votre ordinateur comme caméra de surveillance. Alfred Caméra est une super application qui vous permettra de surveiller votre maison à distance et la majorité des options sont gratuites. Je vous la conseille vivement.